Bonsoir à toutes et tous. Bonsoir d'être là. Et nous avons Monsieur Iva ici de se présenter, qui a accepté de venir. Moi je suis le nom c'est Crasso, le jeune en trois prénoms. Il y a Gioro, Joël, Shalom. Je suis d'origine ivoirienne. Voilà, je suis d'abord PDG d'une société qu'on appelle Barreau Communication. C'est une société qui évolue dans la communication digitale des entreprises. On a beaucoup de choses qu'on fait en même temps, c'est un groupe. Je suis président fondateur d'une ONG qu'on appelle Espoir de Vie. Donc j'ai un enfant en Côte d'Ivoire. Voilà, nous travaillons dans le domaine éducationnel, c'est notre combat, la protection des enfants, le domaine éducationnel, aider les veuves et les orphelins, les enfants de la rue, les jeunes filles à reprendre le chemin de l'école, à s'occuper aussi de l'insertion dans l'étude sociale, etc. Alors donc l'ONG, non seulement ça basé en Côte d'Ivoire, mais elle a une succursale ici en Guinée. Depuis 2001, nous avons travaillé ici, dans la région des Erekoré. Voilà, on a pu, opérer une dame qui avait la boîte en valeur de 5 millions de francs guinéens. On a pu aider la communauté chrétienne et la communauté musulmane en Erekoré, des veuves sans veuves et sans veuves chrétiennes, sans veuves musulmanes. On les a pu mettre ensemble. Et qu'on a donné de l'argent pour leur activité. Voilà, donc pour vous dire déjà, je ne suis pas nouveau dans le soutien. Les jeunes filles en Afrique, c'est difficile déjà. Avec l'état de pauvreté, etc. Avoir une grossesse non désirée, c'est aussi beaucoup de choses. Et puis encore, le fait que ces filles-là ne vont pas à l'école, ça agit. Elles n'ont pas les moyens pour se prendre en charge. Il y a beaucoup de choses. Donc quand je vois des gens qui se permettent d'encadrer ces filles-là, voilà, d'abord c'est vous encourager. Voilà, pour les efforts que vous fournissez déjà psychologiquement, parce qu'il faut. Généralement en Afrique, les gens ne considèrent pas les femmes. Désolé d'en parler, mais c'est comme ça. C'est comme ça de leur donner une chance. Parce que là, le football, on peut réussir dans le football. Voilà, c'est aussi un moyen de réussir tout ça. Parce que l'école, souvent, n'est pas forcément le moyen de réussir. Voilà, donc vous donner une chance, et pour moi, c'était vraiment important d'être là et de vous encourager. De vous soutenir, voilà, c'est ce que j'ai à dire ce soir. Voilà, voici. Donc, aujourd'hui, c'est l'introduction, c'est un premier contact. On a envoyé deux ballons. On a envoyé une carte. Nous savons que la santé, c'est le sport, c'est santé. Voilà, on vous a envoyé deux ballons. On vous a envoyé. Une somme, ça, c'est pour les encadreurs. Les autres 500 000 francs, c'est pour les filles. Et les 500 000 francs, c'est pour les encadreurs. Tout d'abord, on vous remercie pour le déplacement et pour la confiance que vous nous avez portée. Nous sommes une équipe féminine, un club, mais d'abord, nous sommes une famille. Pour moi, c'est une famille. On est tous là, on est d'accord, on est liés. On est une équipe avec peu de moyens, mais beaucoup de volonté, beaucoup de qualité. Merci pour le déplacement. Nous espérons que la collaboration sera continuée. Merci.